Hey, bienvenue sur le Toposcope. Juste avant que la vidéo commence, on voulait sincèrement vous remercier pour les 4000 pouces bleus en moins de 24 heures sous la dernière vidéo. Et bien vous savez quoi, aujourd'hui on va tenter les 4500 en moins de 24 heures. Franchement, si vous arrivez à le faire, vous êtes des beaux gosses. Enfin bref, revenons-en à la vidéo. On a tous déjà lu une bande dessinée avec des personnages héroïques tels que Superman, Batman et j'en passe. Mais avez-vous déjà vu des héros de la vie réelle? Et bien les gens qui vont suivre ont été prêts à risquer leur vie pour en sauver une autre. Bienvenue pour ces 6 célébrités prêtes à tout pour sauver une vie. Numéro 1, Mark Harmon. Mark Harmon s'est comporté en héros. Un jour, il a sauvé 2 adolescents d'une voiture en flammes après qu'ils aient eu un accident juste devant chez lui. Heureusement, l'acteur était chez lui lors du drame et il s'est alors emparé d'une massue et a défoncé une fenêtre de la voiture et a réussi à extirper les jeunes de ce cauchemar enflammé. Les jeunes sont ressortis avec quelques blessures mais rien de grave comparé à ce qui aurait pu leur arriver si Mark n'était pas là. Numéro 2, Sean Penn. Sean Penn est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de films de 56 ans aujourd'hui. Lors de l'ouragan Katrina, ce dernier a sauvé une quarantaine de personnes en les mettant en sécurité sur la terre ferme alors qu'ils étaient à bord d'un petit bateau qui prenait l'eau. Numéro 3, Jennifer Lawrence. C'est en 2012 que Jennifer Lawrence a sauvé la vie d'une femme en lui faisant les premiers soins après qu'elle ait fait un malaise sur le trottoir. L'actrice est ensuite restée à ses côtés jusqu'à l'arrivée des secours. Elle lui a littéralement sauvé la vie. Numéro 4, Harrison Ford. L'acteur est un pilote d'hélicoptère qui fait régulièrement des missions de sauvetage. En 2000, il a sauvé la vie à 2 randonneurs perdus en forêt. Sans lui, il serait sûrement mort de déshydratation ou de faim. Il a également sauvé la vie d'un scout de 13 ans qui était perdu dans le parc national de Yellowstone. Numéro 5, Kate Winslet. C'est lors de l'ouragan Irène en 2011 que l'actrice était dans le manoir de Sir Richard Branson qu'un éclair vint frapper la maison et l'a rendue immédiatement en flammes. C'est alors que Kate se pressa de trouver la mère de Sir Branson pour ensuite la sortir de la maison en flammes. Tous deux sortis indemnes du manoir. Numéro 6, Dustin Hoffman. Alors que ce dernier se baladait tranquillement au Hyde Park de Londres, il vit un homme s'écrouler. Il vint directement à son aide et grâce à sa rapidité, les secours sont venus à temps pour réanimer l'homme et lui sauver la vie. L'homme remercie encore aujourd'hui la célébrité de l'avoir sauvé. Numéro 7, Tom Cruise. C'est alors qu'il était en vacances sur son yacht qu'il aperçut la détresse d'un voilier en flammes. Il vint à son secours et sauva les quelques victimes qui étaient sur le voilier. Une fois remonté sur le yacht, il les invita à se réchauffer pendant qu'il appela les secours. Ils en sont tous sortis indemnes, heureusement pour eux. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Comme d'habitude, lâche un gros pouce bleu pour aider à la progression du Toposcope, abonne-toi et active les notifications et dis-nous dans les commentaires quels acteurs vous avez trouvé le plus courageux. Et moi je vous donne rendez-vous demain même heure sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis ciao ciao tout le monde.